Je m'appelle Enora, j'ai 13 ans. J'habite au bord de la mer. J'aime bien aller sur la plage quand il n'y a personne. Quand je regarde la mer, je pense plus à rien. C'est comme si mes problèmes s'en allaient avec les vagues. Qui a dit que les jeunes filles romantiques n'existaient plus ? Bienvenue dans le petit monde sensible, un peu rétro, d'une artiste en herbe qui a dans la tête de drôles de petites bébêtes. Si vous vous baladez au bord de la mer, du côté de Fort Bloqué, vous pourriez croiser Enora avec son petit panier. Elle vient y faire sa récolte de coquillages et de petits trucs, mais pas n'importe quel coquillage et pas n'importe quel truc. Celui-là, c'est une cuillère en fait qui a été cassée. Du coup, avec un morceau, j'ai fait la fille et puis avec l'autre, j'ai fait le garçon. Comme ça, quand ils s'embrassent, on voit la cuillère de loin. C'est romantique. Oh ouais. Après, il y a la famille des fourmis. Là, il y en a plein. Il y a des fourmis noires, mais aussi des fourmis rouges. J'aimerais bien être cinéaste. Faire du cinéma. Et faire quoi alors, exactement? Réalisatrice de films, je pense. Plutôt de la science-fiction. Là, on arrive à la mer. Pour tourner ses films, Enora a déjà trouvé son actrice fétiche et co-scénariste, sa cousine Lila. Pendant les vacances, les tournages se peaufinent et les répétitions défilent. Ouais. Faudrait faire avec une baguette et des... Ouais. Faut noter ça. On est aussi sérieux quand on a 13 ans. Robe bleue, oui. Ombrelle, oui. Cassette, oui. Châle, oui. C'est bon, on a tout. Mets-toi là. Voilà, et là tu fais la séquence que t'as froid mais t'avances pas, ok? Ok? Ouais. Ça tourne. Bref, go, ça tourne. Vas-y, bouge-le juste un petit peu, oriente-le vers toi. Et puis je fais tuc, comme ça tu le vois. Après tu l'avances juste un petit peu, je refais tuc, comme ça. Tu sais, pour faire tuc, 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 vu qu'il est pas accroché. Il y a certains films, quand je les regarde, j'ai l'impression de comprendre l'univers du réalisateur, tout ça, et puis j'aimerais bien que ce soit pareil, que les gens comprennent ce que je pense. Sur la plage de Fort Bloqué, vous croiserez peut-être des jeunes filles en fleurs, des insectes un peu bizarres et des princesses aux doigts de fée, à jamais immortalisées sur des pellicules de Super 8.